Alors, étude de cas. Donc, nous avons le cas MNC, une dame MNC, à qui nous devons administrer le TAT. MNC est âgée de 26 ans. Alors, MNC, âgée de 26 ans. Alors, femme, nous écrivons aussi, femme, âgée de 26 ans. Alors, nous allons prendre les planches. Nous savons que il y a 13 planches à passer à MNC. Nous allons les poser de côté. Donc, les planches à passer sont pour la femme 1, 2, 3, 4. Nous allons chercher les planches à passer. Voilà, nous avons nos planches ici. Pour le Rorschach. Pour le TAT, qu'est-ce que j'ai dit? Pour le TAT, les planches des TAT. Alors, nous avons nos planches ici. Nous allons donc éliminer toutes les planches qui ne doivent pas apparaître pour ne pas nous embrouiller. Donc là, nous ne sommes pas face au sujet. Nous sommes encore en train de monter notre dossier avant de le présenter à notre patiente ou au sujet pour lequel l'examen est demandé. Donc, à la maison ou dans un bureau, je range tout, le carnet de prise de notes, le coffret des planches, je range tout pour que tout soit prêt. Je mets de côté la planche 1, la 2, la 3MB et j'enlève celle-là parce que nous avons réduit le nombre de planches. Chez la femme, nous n'avons plus besoin de la 3GF. Donc, je l'enlève. J'enlève la GF. La planche 4, OK. La planche 5, OK. La planche chez la femme, 6MB, non. Planche 6MB, supprimée. Chez la femme, planche 6GF, oui. Planche 7. Planche 7MB, non. Nous sommes chez la femme. Supprimée. Planche 6GF, oui. Planche 8MB chez la femme. 8MB, non. Donc, je supprime celle-ci parce que je vais faire passer le test à une femme. Je supprime. Ok. Est-ce que, à la suite, chez la femme, j'ai la planche 8GF? Non, elle n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Donc, je passe chez la femme à la planche 9GF. 9GF. Ça, je suis chez la femme. GF. Ok. Chez la femme, je passe à la 10, c'est bon. La 11, c'est bon. La 12BG, c'est bon. La 13, la 12M, non. 12F, non.
12B, 12BG, oui. 13B, oui. 13MF, oui. 14, non, j'enlève. Vous voyez, je fais le tri pour éviter de m'embrouiller. 15, non. Moi, je vous ai envoyé traiter cette planche 15 là. 13MF, chez la femme, oui. La 16. La 19 d'abord. La 19. Elle vient ici. Avant la 16. La 19 vient ici. Voilà. Voilà l'ordre de passation chez la femme. L'ordre de passation est celui-ci. Ensuite, vous pouvez vous aider. Voilà l'ordre de passation. Vous pouvez vous aider pour éviter de vous embrouiller prochainement. Vous pouvez vous aider naturellement en mettant ici un petit A. Là, ou peut-être là, A, A, quoi? B. B. C. D. 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 Ah oui, j'ai vérifié A, B, C, A, B, B, C, D, E. F. F. G. I. J. K. L. M. M. N. M. N. O.
Bon, ça, vous le faites derrière la planche parce que la personne peut être amenée à interpréter la lettre qu'elle voit. Donc, faites-le vraiment derrière la planche. C'est comme ça que moi, je procède pour que la personne ne vienne pas apporter une interprétation de ce qu'elle voit là. Voilà. Donc, vous avez vos 13, 14 planches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 planches. Oui, c'est 15 planches. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 planches. Vous avez vos 15 planches pour les femmes. Donc vous avez un fichier. TAT. Vous mettez TAT femme. TAT total. Femme. Adulte. Ok. Vous avez déjà ceci. Ok. Nous avons notre sujet. Nous avons dit 26 ans. Alors, en termes de posture, de position, de positionnement. En termes de positionnement. Voilà comment il faut organiser l'espace. Voici un bureau. Le psychologue, vous devez occuper la place A. Vous devez être là. Si. Si. Et le patient, là. Patient. Et le patient ici. Table. Le psy est là. Patient ici. Voilà les positionnements que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez vous asseoir comme ça. En fait, vous devez vous asseoir de manière à former un angle
droit et non pas être à se faire face, parce que le fait de se faire face crée une impression d'intimidation. Il faut qu'il n'y ait rien qui gêne vraiment, que ce soit physiquement ou fantasmatiquement le sujet, il ne faut pas qu'il soit gêné. Il ne faut pas qu'il soit Oui. C'est qui? Le prince. Oui, oui, vous voulez quoi, prince? Maman, on va aller chez vous. Je travaille encore. Je fais cours. Alors, donc, voilà, comme ça. Désolé, ce sont les aléas de la vie en communauté. Voilà. Comme ça qu'il faut s'asseoir et vous présenter les planches, vous les passez au sujet. Dès qu'il a fini, vous les posez là. Donc ici, vous présentez les planches au sujet. Vous présentez les planches au sujet. Ok. Là, nous sommes en train de voir de manière technique comment il faut se positionner. Dès que le sujet a fini, vous reprenez la planche. Vous la déposez discrètement ici. Vous la déposez à gauche, quelque part là, ou même ici, sur vous la déposez ici sur la table. Voilà. Vous prenez, vous redéposez sur la table. Et ici, les planches sont fermées pour que rien ne perturbe tout ce qui va se passer. Voilà. Donc vous êtes assis là, et le sujet de l'autre côté. Vous commencez le test et au départ, vous dites, imaginez une histoire à partir de cette planche. Vous donnez cette consigne une fois. Vous vous munissez de votre carnet pour la rédaction, pour la prise de notes. Dans la prise de notes, vous notez, dès que vous avez tendu la planche, vous prenez la planche, voilà, voici. Vous prenez cette planche, vous la montrez au sujet. Vous montrez 1,
vous montrer la planche au sujet, vous commencez à compter le nombre de secondes. Vous avez une petite montre qui est posée discrètement. Vous commencez à monter. Et heureusement que les tablettes d'aujourd'hui ou bien les montres d'aujourd'hui ont le minuteur ou bien le chronomètre. Donc vous chronométrez le temps de latence. Qu'est-ce que le temps de latence? C'est le temps qui se passe entre la présentation de la planche et la première production verbale. Vous notez ce temps. Ça peut être 3 secondes, 4 secondes, 10 secondes ou bien 20. Cela est significatif dans l'interprétation. Donc, vous présentez 1, le temps de latence, et à la fin, vous notez le temps total, le temps mis total sur la planche. Il va interpréter la planche pendant 2 minutes. Vous mettez 2 minutes et vous mettez en haut, au début de la planche, l'interprétation ici, sur votre prise de notes. Par exemple là, vous avez une prise de notes, une feuille de prise de notes. Vous avez une feuille de prise de notes là. Vous relevez. Temps de latence égale. Temps de latence. Et ici, à la fin, vous mettez temps mis, temps total, bien temps mis. Temps mis égale 2 minutes. Temps de latence égale ici 8 secondes. Voilà. Temps de latence 8 secondes. Et après 8 secondes, il y a le récit. Ah, c'est son récit. Ça, c'est son récit. J'essaie de faire quelque chose de clair pour que personne ne se pose de questions. Donc, vous avez le récit du sujet. Donc, ça, c'est le récit. Vous avez le récit du sujet. Donc, temps de latence en haut. Temps mis en bas. Vous avez le récit du sujet. Voilà. Dès que la personne a terminé, vous prenez la planche, vous remettez et vous avez coté votre vos observations sur la feuille. Et ici, on est à planche 1.
Planche 1. Temps de latence. Temps mis. Récit du sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, avant de passer le TAT, vous photocopiez 15 feuilles avec des traits pour ne pas mettre ici temps de latence. Ça vous fait perdre du temps. Pour ne pas réécrire temps de latence, temps mis. Vous avez déjà mis temps de latence égal. Vous allez simplement mettre ici le temps qu'il va mettre. Qu'il va faire. Vous avez déjà préparé ça sur un bout de papier. Vous avez déjà préparé ceci. Donc, planche 1, vous avez déjà ça. Vous avez récit du sujet. Et lorsque vous lui donnez la planche, vous mettez simplement ici 5 secondes. Et quand elle termine, vous mettez simplement 2 minutes ou 4 minutes. C'est tout. Vous prenez l'autre page, planche 2. Tout est déjà tiré et apprêté. Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous présentez la planche 1. Vous présentez la 2. Vous faites la même chose. Vous attendez le temps de latence. Vous mettez temps de latence. 12 secondes. La personne fait son récit. Vous relevez le récit. Le récit. À la fin, vous mettez le temps mis sur la planche. 1 minute. 1 minute. 55 secondes. 1 minute 55 secondes. Vous mettez. Vous tournez. Vous donnez la planche suivante. 3 MB. Vous attendez les premiers mots. Combien de secondes se passent entre le moment où vous lui donnez la planche et le moment où il dit ses premiers mots? 1 seconde. Il y a une sorte d'excitation. Là, la planche déclenche chez la personne une excitation ou bien une réaction. Oui. Impulsive. Vous mettez planche. 1 seconde. La personne fait son récit. Blablabla. À la fin, vous mettez 4 minutes. 15 secondes. Vous faites ça planche par planche. Mais vous ne dites plus. Imaginez une histoire. Vous donnez cette consigne au départ. D'accord. Donc, maintenant, là, vous notez à la planche 1, ici. Vous allez noter à la planche 1, ici. Vous notez dans votre papier, hein, vous notez heure 14h15 et à la planche 16. Ça signifie dans la prise de notes de la planche 16, vous mettez 15h05. Donc, vous allez calculer le temps qui vous a fait, que le test vous a mis entre l'heure du départ et l'heure de l'arrivée. Donc, et l'heure de la fin. Voilà. Donc, vous donnez la consigne. Imaginez une histoire à partir de la planche. Et ainsi de suite, vous passez vos planches jusqu'à arriver à la fin. Dès que vous arrivez ici, vous mettez planche 16 heures. 15h05, temps de latence, 15 secondes, blablabla, temps mis, 2 minutes, 7 secondes. Vous avez terminé votre examen. Dès que vous avez terminé ceci, vous arrivez à cela. Vous arrivez à cela. Madame MCN
a produit ce qui suit. À la planche 1, elle a par exemple dit, après 7 secondes, elle a dit, elle me donne l'impression que c'était un garçon, que c'était un petit enfant qui a posé un mauvais acte. C'est un violon. Soit il ne sait pas l'utiliser, l'instrument, soit il ne sait pas utiliser l'instrument, ou qu'on veut le forcer à l'utiliser, alors qu'il n'en a pas envie. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez bien que ici, on va commencer par coter. On va chercher la feuille de cotation, la feuille de dépouillement. Elle est là. La personne a dit, elle me donne l'impression que c'est un petit gars, c'est un petit enfant. Donc, cette tournure-là, elle me donne l'impression. Vous devez chercher comment la coter. Est-ce que on est dans la rigidité? Est-ce qu'on est dans la labilité, l'évitement ou l'émergence des processus secondaires? Elle me donne l'impression, ça correspond à quel procédé? Bon, ici, est-ce que la formule prête au doute? Est-ce qu'il y a une hésitation? Est-ce que la personne hésite ici, cette formule? Est-ce qu'elle renvoie à l'hésitation? Elle me donne l'impression. Elle aurait pu dire, c'est un petit enfant qui a posé un acte. La personne dit, elle me donne l'impression. Donc, ici, on est dans une précaution verbale, une hésitation, on est dans un doute. Alors, soit on est dans le A, 3-1, A, 3-1, ou on cherche un autre procédé qui parle d'hésitation, de doute. Est-ce qu'il y en a un autre? Ici, par exemple, investissement de la réalité interne. Quand on est dans le doute, on est dans la réflexion, on est dans la pensée. Donc, accent porté sur les conflits intrapersonnels. L'impression. Donc, quand on dit, on me donne l'impression, c'est plutôt au niveau psychique. Donc, la cotation ici, ça peut être ça. Voilà comment coter ce genre de planche-là. Là, on va mettre... On va mettre A3. On peut mettre ici A3. A3. Avec une tendance. Avec une tendance. Bon, tendance, on met flèche. C'est très important d'apprendre le TAT. A3. A3. Tendance. On peut noter ici, on peut noter là, on peut noter le A24, hein, A24, accent porté sur les conflits intrapersonnels donc, ou intrapsychiques. Parce que la personne est dans une forme d'hésitation. Et dans entre deux, en fait, elle n'exprime pas de manière directe son idée. L'idée ressort après quand même. Un petit moment d'hésitation. Il y a quelque chose qui empêche la pulsion de s'exprimer. Donc, soit on peut mettre ici, moi je mettrais A24. Donc A2.4. S'il y a une tendance, on met
On met deux cotations. A, parce qu'il y a un doute. Hésitation et doute. Voilà pourquoi c'est très proche d'ailleurs. Parce que vous voyez le A24, ici, là, A24, et la cotation qui précède très directement le A31. Donc, on peut coter cette fois-ci, de manière technique, on peut coter A. A 3.1. Donc, voilà. Que c'est un petit garçon, un petit enfant qui a posé un mauvais acte. Alors, un petit enfant, c'est pas un enfant, c'est un petit enfant. Donc, la personne va encore... y a un effet de... La personne va voir que l'enfant est petit. La personne perçoit, ne perçoit pas l'enfant, mais la personne donne un diminutif. Donc, il y a une sensation qui est produite, qui est déclenchée par la planche. Il y a une sorte de, on va dire quoi, ici, on va coter petit enfant. On peut le coter comment? On va dire que il y a un côté narcissique. Il y a quelque chose sur le plan narcissique. Les qualités, est-ce que c'est, si on va sur le plan narcissique, on va coter CN. Alors, est-ce que pour vous ici il s'agit d'un détail narcissique, parce que petit enfant pour moi ça peut être un détail narcissique. L'idéalisation de la représentation de soi est remarquable sur cette planche. Donc il y a la ici, n'oubliez pas que nous sommes sur un texte projectif où la personne s'identifie au travers de ce qu'il voit. Donc, on peut dire, on peut coter cette expression CN2. On peut coter CN2. On met CN2. Donc, CN2 apparaissant ici. CN2. Ok. Bon, comme c'est pas sur papier, normalement on doit mettre. On peut aussi mettre ça là. Pour simplifier les choses, c'est un petit enfant. On met ici CN2, on met A1 ici, pour éviter d'être bloqué par la machine. Qui a posé un mauvais acte? Alors, qui a posé un mauvais acte? Remarquez bien que le détail narcissique ici, il n'a pas valeur de séduction. Donc, on aurait pu mettre le B32. Non. Alors, il a posé un mauvais acte. Donc, représentation d'action associée ou non à les états émotionnels de peur, de catastrophe, de vertige. Ici, que se passe-t-il? Il a posé un mauvais acte. Donc, on est devant quoi? Une situation de drame? Ou bien, on va être ici devant une situation dramatique? Le mauvais acte, donc il y a un drame qui se passe. Donc ici, on va être dans la labilité. Donc dans la représentation d'action, un acte, c'est une action associée ou non à des états émotionnels de peur, de catastrophe, de vertige. Donc ici, on va être dans le B24. Il a posé un mauvais acte. On peut être dans le B24. Il a posé un mauvais acte.
2.4. Parce que c'est une action, poser un acte. On aurait aussi pu venir dans l'émergence des processus primaires pour voir s'il y a une massivité de la projection. Est-ce qu'il y a une adéquation du thème au stimulus? Parce que l'exercice ici consiste à lire le discours du sujet et à voir quel procédé correspond, interprète ce discours-là. Il a posé un acte. L'acte. Pourquoi j'ai coté A224? Parce que ici, l'acte, c'est il a posé. Donc, il a fait une action qui est mauvaise. Donc, on est dans une situation dramatique. On est dramatique. Parce que l'image, effectivement, nous montre un enfant qui a l'air tout à fait, effectivement, accablé. Donc, il n'y a pas de massivité de la projection. Ce que le sujet a dit, ce que MCN a dit peut être, MNC a dit, peut être vrai, peut être considéré comme tel. Oui. Donc, mais ici, mauvais, poser un mauvais acte, c'est une mauvaise action. On est dans le drame. C'est un violon. C'est un violent. Quand il a dit c'est un viol, quand elle a dit c'est un violent, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle décrit ce qui est vrai ou pas? Elle décrit ce qui est vrai. Donc, soit on est dans la description avec attachement au détail, ou bien on est dans l'accent porté sur le quotidien ou le factuel, avec référence plaquée à la réalité externe. Donc, c'est un violon. Alors, on va dire que la personne s'attache à décrire la réalité telle qu'elle est. Elle ne fait rien de plus. C'est un violon, virgule. Donc, on est dans le A11, description avec attachement. C'est un violon. A11. Je fais ceci pour que les cotations soient harmonisées. A11. Et vous allez remarquer, soit il ne sait pas utiliser l'instrument, ou qu'on veut le forcer à l'utiliser. Donc, il y a encore une hésitation. Soit il ne sait pas. Alors, savoir, c'est quoi? Ça renvoie à quoi? Ah, ça renvoie à quoi? Au faire. Soit il ne sait pas utiliser l'instrument. Donc, il y a encore une hésitation ici. La personne aurait pu dire, il ne sait pas. Donc, la personne hésite entre deux interprétations. Alors, ici, on peut noter, dans ce drame-là, le B23, représentation et ou affect contrasté. Aller-retour entre désir contradictoire. Donc, soit la personne ne sait pas, soit elle ne veut pas. Donc, il y a une opposition qui se passe chez le sujet. Donc, il y a quelque chose de... Il y a un antagonisme, il y a un conflit. Donc, il y a une contradiction. Soit il ne sait pas utiliser l'instrument, ou qu'on veut le forcer à l'utiliser alors qu'il n'en a pas envie. Vous voyez? Donc, le test du TAT est très complexe, il faut le prendre très tôt. Mais c'est vraiment amusant. Alors, accent porté sur les conflits. Alors, soit il ne sait pas utiliser l'instrument. Donc, on est soit dans le A24 ou le B23. Mais ici, plutôt, on est dans le drame. Soit il ne sait pas utiliser l'instrument. Donc, on est dans quelque chose de dramatique. On est dans quelque chose de dramatique. Donc, on va d'abord noter B23. Parce que c'est lui qui ne sait pas. Donc, le monsieur est dans une situation d'impuissance. D'impuissance fonctionnelle
soit il ne sait pas utiliser l'instrument, impuissance fonctionnelle, donc on est dans un drame. Il ne sait pas utiliser l'instrument. Soit il ne sait pas utiliser l'instrument, on est dans un drame. Donc on est dans le B23. B23. Ou quand veut, on c'est quoi? Est-ce que vous savez de qui on parle quand on parle de on? Non. Donc il s'agit d'un pronom anonyme. Donc on va le noter. Ici on est dans le haut. L'évitement du conflit. Donc la personne évite de se prononcer, de se situer par rapport à dans sa relation d'objet. La personne évite de se situer. Donc on va noter ici CI2, motif de conflit non précisé, banalisation ou anonymat des personnages. Comme on ne sait pas de qui on parle, donc la personne est anonyme, on va noter ici CI2. Parce qu'il y a un anonymat du personnage. Veut, on ne veut pas. Ou qu'on veut le forcer. On veut le forcer à l'utiliser. Alors, ici, c'est le verbe vouloir. Est-ce que ça nous indique quelque chose? Est-ce que ça nous indique quelque chose? La représentation. Forcer. Donc, il y a une action, il y a une oppression, il y a le sentiment d'oppression que la personne vit. On revient dans le drame. On revient donc dans le drame. Bien sûr, on revient dans le drame. Est-ce que on est effectivement dans le drame? Quelqu'un qui est forcé. Donc, c'est une situation dramatique. Donc, soit qu'on veut le forcer. Alors, forcer, donc c'est une action. Représentation d'action associée ou non à l'état, donc c'est encore un B pour moi, 24, forcé. Voilà. Alors qu'il n'en a pas envie. Alors, il n'en a pas envie. Lui, il ne veut pas. Donc, on est dans le vouloir, la volonté. Donc, on est dans quelque chose d'intime, d'intra, d'interne. Il n'en a pas envie. Donc, on peut noter ici le A24. Penser, réflexion, comprendre. Ou bien... Ou bien on peut s'arrêter là, il n'en a pas envie, il ne veut pas. Donc c'est une, c'est un rejet, on va dire ici, tendance, refus. Inhibition, tendance, refus. Donc là, on va aller dans la relation à l'autre. Il ne veut pas, on le force. Donc on est dans un rapport conflictuel. Donc il y a un drame qui se passe ici entre un enfant et un nommé on qui le force à faire des choses qu'il ne veut pas, alors qu'il ne sait même pas. Soit il ne sait pas, dans les deux cas, la personne manifeste une impuissance et un rejet. Donc la tendance ici est au refus, tendance refus qui est là. Donc on est dans le procédé inhibition CI, donc CI1. I1.
on était tout à l'heure au CI2 et vous voyez que l'un appelle souvent l'autre. Les procédés vont communiquer comme ça, alors qu'il n'en a pas envie. Contrôle V. CI1. Donc, tendance à l'inhibition. Lorsque la personne n'a pas envie, quand on le force, la personne va se replier sur elle-même. C'est ce qui se passe ici. Et vous notez quand même que le temps de latence est de 7 secondes. Donc, il y a eu une tendance générale à la restriction. Il y a une petite tendance générale à la restriction. Il a fallu attendre 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a un CI1 qui apparaît dès le départ. Une tendance générale . Vous notez aussi le temps de latence. Donc, voilà comment il faut coter. Le temps de latence est coté. Les verbes vont donner un sens. Vous aurez des verbes qui vont aller dans la réflexion. Tout ce qui va aller dans la réflexion, la pensée, la compréhension, c'est l'investissement de la réalité interne. L'impression, tout ça, on est dans la réalité interne. Voilà. Et vous faites ça, cet exercice, planche par planche. Et à la fin, vous allez voir le nombre de procédés qui vont apparaître majoritairement. Et après, ici, plus le procédé est abondant, plus vous allez mettre le symbole plus. S'il est très abondant, vous mettez 4+. S'il est moyennement abondant, vous mettez 2+. S'il est peu abondant, vous mettez 1+. Donc, en fonction, vous allez voir apparaître devant vous le registre de fonctionnement à peu près du sujet. Ensuite, vous faites la problématique. Ici, sur le plan psychanalytique, on peut les procédés d'élaboration du discours, ce sont les conduites et les comportements perceptibles. Mais ces conduites et comportements, ces attitudes, autant pour moi, ces attitudes, qui sont attitudes psychiques, attitudes mentales, attitudes physiques, cachent une problématique, d'où le terme manifestation latente, une problématique intrapsychique chez le sujet. Ici, il y a manifestement une situation d'impuissance fonctionnelle face à face à un conflit psychique qui se passe entre le sujet, enfin, qui se passe dans la relation d'objet. Donc, ici, on a la castration, s'exprime pour moi. Il y a une angoisse de castration parce que l'enfant n'a pas la possibilité de surmonter son angoisse. Il est même forcé. Donc, on a une problématique de castration qui s'exprime sur cette planche-là. Vous allez dégager planche par planche des problématiques spécifiques et finir aux problématiques finales, à la problématique finale. Donc, voilà l'exercice qu'il faut faire sur le TAT qui est intéressant. Il faut commencer à le faire. Il faut vous exercer à 2, à 3 à le faire pour le maîtriser. Sinon, vous risquerez de trouver... Le TAT est difficile à comprendre. Merci et je vous reviens pour vous envoyer les vidéos et bon courage pour ceux qui vont s'exercer.